Mais Malona, est-ce que toi-même tu as un but précis dans ta vie? Mais tu me surprends. Il faut faire preuve de clarté dans tes ambitions. Petite sœur, je vais te dire une chose. Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et je ne sais pas ce que tu fais, mais je te demande d'arrêter. Sinon, ça va mal finir. Allô? Ayana, mais qu'est-ce que tu me fais comme ça? Hein? Tu m'as laissé toute seule dans la maison comme ça? Hein? Tu ne m'avais pas dit que tu sortais. Tu ne trouves pas que cette robe est un peu dépassée? Pourquoi? Mais tiens, regarde celle-là. Waouh, elle est très belle. Hein? Et je parie que tu vas attirer l'attention de tous les invités. Attends, je vais voir si elle a ma taille. En plus, elle a ma taille. Oui. Ha. Tu vois que j'ai du goût? Ouh, je vais l'essayer. Oui. Le message est clair. Il n'appelle aucun commentaire. Mais regardez-le. Casser plus là, c'est petit. Faut changer ton nom en même temps. Si tu aides 9 pauvres, tu en deviens le 10e. Pour sortir du tout, il faut un sacrifice. Et c'est sans regret. Hey, ça tu dis quoi? Hein? C'est quoi ça là? Attends, chez toi, c'est un déplanté quoi? Faut penser à mon travail, ta grande. Mambo. Vous n'avez pas eu? Vous n'avez pas eu prouvé? C'est quoi tout ce vacarme là? Le NASI. Je vais te dire que tes jours sont comptés dans cette maison. Parole de Zarotec. Comment il a ma chaîne à essence? Il y veut brûler la maison. Ma chaîne n'est plus essence. Non. Hein. Les enfants. Choco Choco, fourbe Siri. Allez, allez. Fourbe Siri, que ce mariage aura bel et bien lieu, qu'il pleuve ou qu'il neige. Ah. Elle fait quoi derrière la banque? Ah. Ouais. Fourbe Siri, des. Oh. Je n'aime pas ça. C'est pour elle raison comme moi. Elle connaît plus des maisons comme ça. Il y a quoi? C'est patiné. Quoi? C'est gâtiné. Il y a quoi? C'est quoi? C'est petit frère de madame là. Il est venu marcher. Elle est censée, il veut brûler les maisons. Il a brûlé, c'est quoi? Il a que. Il a Kepo. Comme toi, tu es le plus grand parmi nous là. Faut tiens le causer et puis tu respectes d'elle. Si tu ne parles pas, on va partir. Ouais. Toi seul, ouais. Tu peux le calmer. Partout. Ouais. Toi, Mambo, tu crois que je suis fou? C'est moi qui fait un mouton de sacrifice. Je vais nulle part. Prends le coup du cadenas. Et puis, vous voulez me livrer à ce vaurien de Simiti là? Vous voulez m'enterrer vivant?
Ça là, c'est pas un cadenas. C'est un pétrole. Vous dites là. Vous n'êtes pas bien d'elle. Fallait parler au jeune là. Je ne vais nulle part. Je ne bouge pas. Nous bougeons. Cassano, c'est tapé. Ça va? Bon? Il paraît que tu viens de chez Goun, ton ami, hein? Prends place. Ah, ok. Ouais. C'est Goun et moi, nous sommes rencontrés, ça fait un moment. Ah bon? Tu as commandé la viande. Ouais. Comme c'est une histoire gigantesque. Ouais. Tu vas m'expliquer après. Ali, un deuxième là. Eh, s'il vous plaît, un verre. Grand frère Cassiano, moi aussi j'ai pris très chaud sur toi. Hein. L'histoire de Placali. Quand tu es sorti ici, tu joues au bouffon. Qu'est-ce qui se passe? Les gens critiquent là, c'est trop facile. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent de moi. C'est le cadet de mes soucis. Mon petit, quand tu auras mon âge, hein, le réalisme remplacera l'idéalisme. Mon cher Tapé, oui, je vais te dire quelque chose. La conquête nécessite l'efficacité et beaucoup d'humilité. C'est ça. Bon, voilà. C'est comme ça. Tout ce que je fais là, c'est des stratégies bien ficelées. Mais, Casse, qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâché? Je ne suis pas fâché. C'est une stratégie bien ficelée. S'ils n'ont rien compris, c'est ça. Mais c'est pas important ça, Cassiano. Je n'arrive pas à imaginer Sassandra sans Wagan. C'est un mauvais rêve, quoi. Non. Comment c'est arrivé? Hein? Oh, Maloké, tu n'étais pas là. Trop de choses se sont passées. En tout cas, merci pour ton soutien. Je ne réalise pas moi-même ce qui m'arrive. Vraiment, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Zora continue de débiter des mensonges sur ton compte. Tu dis quoi? Elle passe son temps à dire que tu es méchante à la maison et gentille d'ailleurs. Faut laisser tout ça là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle et sa soeur ont décidé de me salir partout où elles passent. Tu vois? Mais elles ont des problèmes. Hein? Il y a tellement de trucs comme ça. Tu sais, le mensonge est un hommage à la vérité. Cette phrase prend son sens aujourd'hui. Elle
m'invite à rentrer dans la boue avec elle, hein, où elle patauge. Mais je ne me vois même pas la suivre dans cette boue-là, Maloké. Je sais, mais entre nous, pourquoi autant de haine? Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais ce que je retiens, c'est qu'il faut fuir les mythomanes, comme la peste. Sassandra, c'est profond ce que tu dis. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais jamais, jamais qu'il ait un mythomane dans son entourage. Tu vois? Qui peut démentir un mythomane? C'est sa parole contre ta parole. J'ai entamé l'opération de séduction avec le placardier. Comment ça? Et ce n'est pas tout. Même s'il n'y a pas me dit de préparer le doumbré là, je le ferai. Tiens, le foutu, je l'ai pilé. C'est dans le pipe. J'ai traîné ma bosse un peu partout. J'ai même fait l'Europe. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as jamais appris que pour avoir le foin, il faut jouer à l'âne. Tu n'as jamais appris cela. Non, grand frère. Mais toi, un casse. Moi, je suis très inquiet pour toi. Quand vous n'avez beaucoup d'argent, il était dans le cœur de Yaba. Aujourd'hui, Fauché, elle ne fait même plus le sentir. Hein? Je ne peux pas faire comme Koul. Koul, c'est un vrai loser. Koul, il a tout perdu. Et moi, Cassiano, je sais ce que je veux. Ah bon? Ah oui. Attends. Un vrai perdant. Attends. Je comprends ton problème. Mais sois tranquille. Moi, je suis comme le rat. Je sais que le premier couillon n'est pas couillon. Mais c'est le deuxième qui l'est vraiment. Je ne peux pas me permettre, moi, Cassiano, de remettre une mallette d'argent à des gens que je ne connais même pas. Cassiano. Bon, écoute. Oh, d'accord. Mon cher Tapé. Oui. Merci beaucoup. Oui. Je vais. J'ai eu le coup, ça fait là. Pas de quoi. Voilà. Parfait. Tu rentres bien. Bien. Moi, il soit pas là, j'attends quelqu'un. Ok. C'est cré. Putain! Qu'est-ce qu'il a, mon mari? Dis-moi là, c'est ta caisse ça? Ouais. Mais cré! Une nouvelle caisse comme ça, tu l'as décroché comment? Mais t'as percé là, jeune homme, comment tu vas? On dit quoi? Ça va? Mais cette caisse là, vraiment, fera de cas, tu te stalles, tu vois? Mais bien sûr, on parle chez moi. Rémotive! Mais c'est pas possible! Attends, ça fait longtemps que tu viens sortir. Attends, dis-moi là, toi. C'est toi que je vois? Mais c'est là que tu vois. Mais crée, attends, mais tu es en forme. Attends, qu'est-ce que je vois là? Attends, laisse-moi te regarder. Mais c'est pas incroyable. Il faut que je mette mes livres, vraiment. Okay. Oui, c'est moi, ça va, tout va bien. Beauté! Ouais. Bonne corpulence! Un grand changement! Je dis, je vis le bonheur. De façon. Mais ça se sent ce bonheur là! Je dis. Ça sort d'où ça? Attends, mais tu sais, c'est Patine hein, qui a l'origine de tout ça. Regarde comment tu es en forme! Attends. Des kilos en plus! Elle fait tout! Le teint qui est garni! Tout! Mais dis-moi, quand tu me dis Fatim, mais où tu mets Yuku dans tout ça? Oh. Parce que c'est la partie que je veux savoir. Tu l'as mise où? C'est justement ça. Le fait que je me sois libéré de cette sorcière là fait qu'aujourd'hui je brille. Elle a tenu à rester dans l'ancienne maison. Je lui ai demandé de partir. Elle est restée. Moi, j'ai pris ma nouvelle maison, nouvelle voiture, nouvelle épouse. Mais c'est le bonheur total. Tu vois, il n'y a rien à faire. C'est le bonheur. Non, mais donc Fatih me fait un grand boulot. Et je te dis pas. C'est comment on appelle ça ici, Abidjan? C'est quoi? T'as réussi, mon petit. On peut dire ça comme ça. Formidablement. Mais il faut qu'on parle au mariage. Ah bon? Bon, donc je viens, on s'installe. Tu vois, non. Et qu'on parle du mariage. On crée. Mais c'était du balèze, hein? Normal, ma chérie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas du tout à ça?
Quand tu aimes, tu mets le paquet. Ça, il n'y a rien à faire. Mais c'est une dote. Et le mariage alors? Non, ça, le mariage, ça sera l'apothéose. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je garde. Là, on va bien parler. Sinon, oui. j'ai vu de créer un accident. Mieux vaut que je garde. Oui. Et on va bien parler. Voilà. Je crois que là, ça va. Voilà. Je vais monter. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Là. Ah, ma chérie. Non. Vraiment, ma chérie. Je tiens à te dire merci. Merci pour ton soutien. Merci pour tout. Vraiment, tu es une vraie amie. Non, mais c'est tout à fait normal. Tu es comme une soeur pour moi. Moi, là, je suis entièrement à ta disposition. C'est trop gentil. Dis-moi, tu as vu le monsieur pour la salle, là? T'inquiète pas. Concernant la salle, il n'y a pas de problème. Je vais essayer mon alliance, là. Tu m'accompagnes? Demain? Non, tout à l'heure, là. À 16h. Non, si c'est tout à l'heure, ça ne sera pas possible. Parce que j'ai rendez-vous avec la décoratrice, n'oublie pas. Elle est sortie de la tête. Bon, c'est pas grave. Mais n'oublie pas le gâteau, hein. Non, pas du tout. Ok. Ça, c'est la moindre des choses. Tu sais que je suis gourmande. De ce côté-là, je ne peux pas l'oublier. Ça, c'est vrai. Mais tiens, j'allais oublier. Et cette rêveuse-là? Qui ça? Cette soi-disant Madame Clé, là. Oh, c'est pareil. J'ai dit, ma chère, depuis vieux mois, là, je n'ai plus de ces nouvelles. Et tant mieux. Elle sera surprise d'être étonnée. Très. Il dit, parlons d'autre chose. Demain, on s'en va chercher la merveille. Quelle merveille? Ah, toi aussi. Mais la robe. Alors, Clé. Ah ben, je suis heureux que tu sois là. Tu vois, non? Ah non, je ne te reconnais pas, mais je suis vraiment heureux. En toi, Fabois, tu c'est bon, non, ça tu va, fais comme chez toi ici. T'inquiète, non. T'es chez toi. Ça va, je t'ai vu, je suis déjà content, c'est oh, bon, ça je va. Je suis fier de toi. Hein. Bon, tout va bien, c'est cool. Ah, ok. Alors. Mais, Joe, il faut qu'on parle au mariage comme j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, effectivement. Parce que je le veux soft, sobre et sans bruit. Quand tu parles de sans bruit, toi, Clé, tu fais un mariage. Mais tu me fais mal. Toi, Clé, ton mariage sans bruit. Mais c'est toi, Abidjan, qui sera au courant de ton mariage. Mais cool, mais cool. Mon... Ah non, non, non. Cool, franchement. Cool, cool. Franchement, j'ai assez de soucis comme ça avec Yuku. Et c'est pour cela que j'ai décidé que le mariage se fasse en semaine. Un jour ouvrable, tranquillement. Pourquoi en semaine? Quand tu me parles, tu me dis en semaine. Mm. Tu penses que Fatime, que je connais là, la même Fatime, là, moi, ce soit une autre Fatime, oui, va accepter de faire un mariage incognito, à la va-vite, là, tel que je la connais, dans les coulisses, là, comme ça, et rapidement. Ou bien là encore, là, tu as le plan B, quoi. Moi, j'ai souvent des appréhensions. Parce qu'avec Fatime, on discute, on tombe d'accord, et on applique. C'est différent de cette fofolle de Yuku, là. Carrément différent, quoi. Ok. Est-ce que tu penses pas que Yuku peut débarquer et te mélanger là le jour du mariage? Vraiment, il faut faire aussi attention. Il ne faut même pas t'inquiéter parce que j'ai pris toutes les dispositions pour que ce mariage ait lieu. C'est le plus important pour moi. Okay. Et je compte sur vous. T'inquiète. Je pense que tout est ruiné. Toi, Clé, pour ton mariage, ce mariage là, ouais, avec Fatim, ouais, c'est le paquet. C'est le samedi aussi, pas le samedi. En tout cas, le contraire m'aurait étonné. Comment ça fait mal quand je pense même à ça? Quoi ça? Tout à l'heure? Oui. C'est le petit frère de Sassandra et de Michel ici. C'est pas possible ça. Ça c'est quelle famille ça? Mais heureusement que j'ai vu ça et puis j'ai fait sortir mon fils de là. Oui. Tu vois ça? De toutes les façons, rien de tout cela ne me fait. Ça, je suis sûre. Ah, bon arrivé, mon chéri. Alors, et ta journée? Alors? Et c'est bien passé? Oh, assieds-toi. Merci. Tu m'animes que tu es tout tendu. Je vais te faire un petit massage. Tu dois en avoir besoin, n'est-ce pas? Dis, tu veux pas aller te reposer un peu? Hey, Ayela. Je n'aime même plus le sommeil. Cette histoire, Feli Wagan, ça m'agace. Tu vois, je suis fatiguée.
Écoute, Sassi, tu vas pas te laisser mourir comme ça à petit feu à cause de ça. Moi, je pense que le mieux, c'est que tu en discutes avec Wagan. Mais chérie, elle m'a eu. Elle a tout fait pour se faire enceinter par Wagan. Mais c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Quand même, tu sais, la vie n'est pas toujours belle. Hein? Ce sentiment d'humiliation ne me quitte plus. Est-ce que tu peux comprendre ma déception de savoir que Wagan n'est pas celui que je croyais? Sakoulé! Mais où est-ce qu'elle est cette bouliche? Sakoulé! Dépêche-toi quand je t'appelle. Apporte de l'eau, mon chéri. Il est tout fatigué. Alors, chérie, tu me racontes ta journée? Plus tard, si tu veux. Ok, comme tu veux. Toute ta journée à toi, maman. C'est un peu. C'est un peu. C'est avancé, bien. Ça va très bien se passer. Maman, toi, pourquoi marcher tout le monde? C'est un massacre du visage. Mais reviens, tu as servi le verre à peine à moitié. Ça va, ça va, ça va. Vous allez changer vos habitudes avec moi. Chérie, je monte en chambre. Tu me rejoins? Wagan, tu viens? Chaque fois que je fais ce petit pied là. Dis donc, qui lui crée? Wagan et Feli ensemble. Ton problème se trouve à quel niveau là? Yedi, tu es sûr que cette relation là va arriver quelque part? Oiseau de mauvaise augure. Enlève ta bouche sur ma fille Feli là. Tu as compris? Tu aimes trop ça. Mais pour, donc tu n'as pas encore changé. Tant que c'est un don de Dieu. Comme toute relation, quand ça commence, ça commence. De toute façon, ce genre de relation, on connaît toujours. On ne sait jamais ce que c'est. Tu connais les négatives. Toi, on va te marier aussi. Tu vas te marier. Regardez-moi ça. Tu ne vois pas que ton frère non est épargné. Leur amour, là. C'est collé, c'est serré, c'est cimenté, mais parole de Zao, c'est moi qui te dis ça. Il laisse pas pour eux. Tu sais, il y a... Feli, c'est un modèle du genre en matière de méchanceté. Des moments de bonheur. C'était avant. C'était vraiment avant. Notre amitié était gangrénée par des rivalités internes. Et puis par des coups bas aussi. J'ai contacté mon avocat. Tu as bien réfléchi. Oui, très bien réfléchi. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je veux vraiment divorcer et je vais divorcer.